Bonjour, c'est toujours Cathy. Ici, un petit tutoriel pour vous montrer un petit peu sur Mozilla Firefox tout ce qui est historique de navigation, comment l'afficher et comment surtout le supprimer, car ce n'est pas très utile de les garder en historique de navigation. Je vous montrerai comment le mettre en marque-page, les favoris que vous souhaitez et les mettre sur votre barre personnelle. J'ai donc ma page de démarrage sur Facebook. Je vais cliquer sur le nouvel onglet pour aller chercher, par exemple, le site de l'équipe, pourquoi pas. Ainsi, la page web de l'équipe s'affiche. Les onglets de navigation, je vous les ai déjà montrés, mais ça me permet de vous remontrer un petit peu comment ça se passe. J'ouvre un nouvel onglet, ici. Je vais aller chercher ma boîte mail, par exemple, sur Yahoo. .fr, je fais entrer, ainsi ma page web de Yahoo France s'affiche à l'écran et je pourrai ainsi aller voir ce que j'ai reçu comme mail pour aujourd'hui. Nouvel onglet ici et je vais aller chercher sur Google par exemple, Google ici, .fr, entrer. Et à partir de Google, je voudrais aller chercher ma boîte mail OneCube, qui est ma boîte mail professionnelle, comme certains d'entre vous, peut-être, OneCube OVH, ce qui me permet de vous montrer comment y accéder à partir de Google. Et je clique sur Webmail, Webmail hébergement web OVH. Ainsi, je pourrai accéder ici, accès au Webmail, et aller sur la OneCube ici en cliquant sur le plus de la OneCube et je pourrai ainsi ouvrir à partir de là ma boîte mail et voir les messages que j'ai reçus sur ma boîte mail professionnelle. Donc j'ai donc un onglet sur Facebook, un onglet sur l'équipe, un onglet sur Yahoo France, ma boîte mail personnelle, un onglet sur Webmail que je peux fermer en cliquant sur la croix, je vous l'ai déjà montré, et ma boîte mail OneCube professionnelle. Je peux donc fermer les onglets en cliquant sur les croix. Ici, pas de souci, je clique sur la croix. Lorsque je veux ici afficher l'historique, je clique sur le menu contextuel que vous avez ici, historique. Et vous avez ici tout l'historique des sites sur lesquels je suis allé chercher depuis un certain temps. Ça peut s'afficher l'historique récent, mais ça peut être affiché sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Aucun intérêt donc de garder l'historique de navigation, puisque je pourrai vous montrer avec les marque-pages et dans votre barre personnelle comment mettre vos sites favoris. Ici, je peux cliquer sur « Afficher l'historique ». Ainsi, je peux avoir tout l'historique de navigation sur lequel je suis allé depuis quelque temps. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être hier, avant-hier, il y a plusieurs semaines. Là, effectivement, je l'efface régulièrement, donc je n'ai que l'historique d'aujourd'hui. Voilà pour l'historique sur Mozilla Firefox. Pour le supprimer, vous cliquez donc sur « Historique » ici et vous dites « Supprimer l'historique récent ». Et je clique sur supprimer l'historique récent avec le bouton gauche de ma souris. Et vous pouvez effacer tout l'historique de navigation. Ici, effectivement, j'ai tout, c'est ce que je vais faire. Mais vous pouvez aussi effacer seulement l'historique de la dernière heure, effacer l'historique des deux dernières heures. Et vous pouvez demander aujourd'hui ou tout. Moi, je vais demander tout. Je vais donc, à partir de là, effacer maintenant en cliquant ici avec le bouton gauche de ma souris. J'efface donc ainsi tout l'historique de navigation. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y est plus puisque je les ai effacés. Voilà pour afficher l'historique de navigation et le supprimer sur Mozilla Firefox. Au revoir et à bientôt pour un prochain tutoriel sur les pages de démarrage.